adopté. Le compte administratif du maire de Menganga et celui de gestion du receveur municipal viennent d'être validés. Réunis en session ordinaire, le conseil municipal salue les performances d'un peu plus d'1,243 milliard de prévisions en recettes et en dépenses en 2019. Près d'1,066 milliard ont été recouvrés contre 937 millions de dépenses effectuées, ce qui a permis d'honorer 86% des engagements en offre sociale contenus dans le plan d'investissement annuel. Nous avons construit 2 centres de santé intégrés à Sabongaré et à Douzami. Nous avons équipé en matériel médical le centre de santé intégré de Fulbéré. Et nous avons pris en charge 30 aides-soignants et agents techniques médico-sanitaires que nous avons repartis dans nos 14 formations sanitaires. Nous avons procédé au branchement au réseau Eneo du centre de santé intégré urbain. En même temps que nous avons procédé par phase à l'électrification rurale de Kombolaka. C'est le chemin balisé que 2020 se pose dans cette commune dont les signaux de développement sont au vert et permettent d'envisager de nouveaux projets. Le gravillonnage de quelques routes dans la ville de Menga à hauteur de 140 millions, 221 millions de francs du fonds routier MITP pour la construction d'un pont définitif sur le fleuve Lom à Wakaso. 486 millions du FECOM pour la construction d'un marché moderne en Gassiri. 632 millions du FECOM également dans le cadre du programme de développement économique et social des villes secondaires exposées aux facteurs d'instabilité de Prodèse. Élu au terme de la session de plein droit du conseil municipal sorti des urnes du double scrutin du 9 février, l'exécutif municipal de Menganga a saisi l'occasion idoine pour porter officiellement ses attributs. Des mains du préfet d'Umbéré, tout le conseil municipal s'est vu apposer les symboles que leur confère leur titre. Je remercie la population de Menganga pour leur confiance. Dans ce budget de tout à l'heure, il y a déjà un financement pour les femmes de 400 quelques de millions. Nous avons aussi invité les conseils municipaux à accompagner M. le maire dans la mobilisation de ses propres pour qu'il puisse exécuter son plan de campagne. Ils sont en début de mandat. Les populations attendent beaucoup de cette commune. C'est dans un concert de joie que s'est achevée cette assise statutaire.